رادیو تایی les amis. Alors aujourd'hui je vous emmène au pont de Vieux. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo et on va vous faire visiter tout ça. Donc ce pont a été réalisé par Paul Baudin en 1847-1926. C'est l'inventeur des arcs équilibres, réalisateur du viaduc, centenaire du viaduc du Vieux, le 21 septembre 2022. Je vais essayer de le prendre de plus près. C'est dommage qu'il y a un peu le soleil. Le soleil est bas. J'essayais de par là pour voir si je peux mieux vous le prendre. Là-bas, on aperçoit l'autre viaduc de la nationale, la 4 voies. On le voit un peu mieux là. Sinon, pour venir ici, la route est quand même assez étroite. Camping-car, faut pas croiser quelqu'un d'autre. Vous allez me passer la planche. Ouais, je me suis pris une tige d'arbre. C'est les risques du métier. Voilà, belle réalisation. Je vous mettrai le nombre de rivets qu'il a fallu. Et le tonnage de toute la ferraille. Je vais aller voir ça sur internet. Beau petit spot là pour passer la nuit. Ah, ça serait bien pour passer la nuit. Là. Regarde, il n'y a personne. Hors saison comme ça. En plus, il y a la wifi, il y a tout. Là-bas, c'est la petite gare. Ouais, je
vais essayer de négocier avec Evelyne pour passer la nuit. Surtout que on a tout ce qu'il faut. En énergie, on est plein. On a de l'eau et on a tout. On va voir, on va négocier. Voilà, des centaines là. Les marches sont courtes. On va y aller tout doucement, mais sûrement. Ça glisse. Alors ça, c'est le sentier. On est sous le viaduc. Alors pour descendre, ça va. Pour remonter, ça va être une autre histoire. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon, Evelyne est restée en haut. Elle avait peur de glisser. Moi, je prends les risques pour vous, hein, les amis. J'espère qu'avec le contre-jour, ça rendra quand même. Je fais au mieux. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à remonter. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Allez, bisous, bisous.
Bon, là, le vol va être un peu compliqué parce que j'ai quand même pas mal de vent. Donc, ils me disent qu'il faut que je pilote avec prudence. Je serre les fesses. Ça souffle.
je vais tenter de passer sous l'arche. On va bien voir. On va aller voir un peu les affiches. Georges Brassens est venu faire un tour ici. Il suffit de passer le pont, c'est tout de suite le bout du monde. Apparemment, ils ont tiré aussi un feu d'artifice. Thank you.
Ouais, c'est vraiment un truc à, si vous avez l'occasion de passer par ici, à venir voir.